Oh les dégâts! Putain, mais il plaisante pas en fait. Non, merci White Taker, j'ai un peu peur. Hop. Bon, ça va, je suis remonté à 8800 âmes, ça va. Ok. Nous sommes donc. Ouais, c'est ça, il nous en manque 3. 3 éclats de titanite, je sais parfaitement comment les avoir. Le problème, c'est qu'il faut passer cette garde. Putain, tout juste. Oh mais ça c'est un vieux script dégueulasse quoi. T'attends et il se passe rien. Attends. P droite brise est excellent, ça fait une très bonne run. Oh mais les dégâts! Bah tiens. J'aime bien, ils bougent pas, ils sont en parfaite synchronisation. Oh quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Bam! Et voilà, 2 éclats de titanite supplémentaires. Je vais bientôt pouvoir améliorer ma main de pyro à fond. Parce que là, nous ne sommes qu'en plus 6, hein. Nous ne sommes que des moins que rien. C'est pourri, ça. J'ai 29 000 âmes, putain, c'est énorme. Voilà, le jeu qui ralentit. Non, le prochain boss, même pas on se le fait, j'ai absolument pas le niveau. L'ascenseur le plus rapide de la Terre. À la limite, on va se faire un os de retour. Non. Non, remarque, d'ici c'est... Ouais, non. On va reprendre la même route. On est des dingues, on est des fous. Vas-y, on reprend la même route. Une carcasse rentre dans un bar avec un perroquet décrépit sur l'épaule. Le barman lui dit « Bah dis donc, il est bien moche celui-là. Tu l'as trouvé où ?» Et le perroquet répond « Ah, les cheveux, il y en a plein des comme lui. » Très bien. Très bien. Tu me donnes 3 tonnes d'âme. Voilà.
Ok. Carrément une armée qui veut venir me chasser. On va aller tuer le deuxième dragon et avec ça, ce sera parfait. Allez, juste un éclat de titanite. En fait, on pourrait avoir l'autre éclat de titanite, mais il faudrait refaire le glitch de l'arbre. J'ai pas très envie, quoi. Le glitch de l'arbre, bon. Hein. Je peux la voir d'ici. Ouais. Voilà. Hausse de retour. Allez, cheveux. Qu'est-ce qu'une blague finalement? Qu'est-ce qu'une blague? Non, j'ai rien. Ok. Dave, be careful. Renforce ma flamme. Alors attendez. Nous sommes. À l'heure actuelle, nous sommes à 287 de dégâts. Attendez bien. Do not what? 357. Seems legit. Notre puissance est maximale. Allez, faudrait que j'arrive encore à monter d'un niveau et là on serait vraiment bien. Parfait. Absolument parfait. Notre pyromancie est incroyable. Et si on testait tout ça, quel boss pourrait faire une bonne proie? Quel boss pourrait faire une bonne proie? Et si on testait Oceros? En le cheesant un peu? Ça pourrait être pas mal. Ah, parce que tu crois que c'est pas mieux dans Demon's Souls quand elle te dit « touche le démon à l'intérieur de moi » ? Pas bien. Excellente question gourmand. J'avoue avoir rigolé. À force de s'enfoncer comme ça, le chat va finir par découvrir du pétrole. Oh là là. Le pire, c'était pas forcément une blague, tu vois. Ah, là ça y est, on était sur les mangas il y a une heure ou deux, là maintenant. Ça y est, on est sur les blagues de merde. Voilà. Allez, Oceros, cheese, on va essayer. En fait, je promets rien parce que j'ai tellement pas de vie que là, Oceros, c'est du one shot. Je suis un petit peu... J'ai pas l'esprit tranquille, là. Je suis pas serein. Éclat de titanite, non mais c'est bon, j'en ai assez. Très gentil de proposer, hein, mais j'en ai bien.
Je me disais, j'entendais un mob qui se rapprochait. Dans Demon's Souls, le pire, c'est le truc blanc qui colle. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord qu'à ce niveau-là, le truc blanc qui colle, c'est pas mal. En plus, c'est la vraie traduction, puisque même en anglais, ça s'appelle le sticky white stuff. C'est pas genre en français, ils ont eu la flemme ou quoi. Hein. Non, 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 ils ont traduit littéralement, quoi. C'est bien ça. Ok. Aïe. Il est au-dessus de l'ascenseur. Allez. Et on ajoute le boss Pénétrator. Alors là. Botswana, tu appuies simplement sur la touche rond sur PS4. Dans les autres jeux, enfin sur les autres supports, je ne saurais pas te dire. Je sais pas ce que ça va donner là, mais bon. J'ai aucune vie quoi, moi c'est ça qui me fait peur. Exactement comme toi, Codename. Un boss tout pourri mais qui casse les couilles. Merci à Darken Rally, B pour Xbox. Beloved Ocelot, child of dragons. Well, I will not give him up. For he is all that I have. J'ai fait n'importe quoi. Oh mon dieu. Comme le monstre de Bloodborne. Ouais. Le monstre affamé, je suis d'accord. Le one shot, il a fait mal par contre. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Ah, c'est des jeux de mots de haut level, Water Tiger. Nous pouvons rien faire face à cette puissance. Et vous êtes encore 55 sur ce live. Merci énormément à vous d'être là. D'habitude, à 1h24, on est genre 20. Ça fait bien plaisir. Hein. Merci énormément à vous. Oh, bien joué, Lenzo. La blague est valide. Donc, juste le petit coup de sifflet. Oula. Allez, dégage. Oh, putain, il est même pas mort. J'hallucine, quoi. Enfin, il est pas dans l'ascenseur, donc c'est bon. Celui qui renaquit.
J'ai pas aimé, moi, ce boss. Après, je l'ai jamais trouvé vraiment dur, parce qu'en fait, il suffit de le beurrer et ça passe. Tu sais, c'est un peu comme les 4 rois, tu vois, les 4 rois, il suffit de les beurrer et ça passe, mais bon, il faut avoir de la patate et pouvoir survivre à leurs attaques. Wow! Ça a marché? Ça a marché? La cheese? Ça y est? Ah, ça a marché. Eh merde! Oups! Et je pouvais pas le toucher en fait, le problème. Je pouvais pas le toucher. Ah, il y avait pas le toucher, ma boule de feu, elle tapait la racine. Ah merde, mais ça marche, hein! Putain, ça marche encore cette technique, c'est un truc de fou quoi. J'arrivais pas à le toucher, donc ça servait à rien, je serais tombé à court d'astuces. Il est con. Allez, je suis chaud. Le karma. Ah mais toujours, le sage de cristal, on l'a cheesé. Bon, il nous a tués. Et après, on a fait un double KO. Là, j'ai cheesé, il m'a tué. Donc là, on devrait faire un double KO. C'est la logique, c'est comme ça que ça s'est passé. Très bonne question pour le poison, je sais pas. D'accord, merci. Horde, c'est putain de mob à la con. Allez, trois quarts de ta vie en une attaque. Est-ce qu'il s'est jeté dans le vide? Pense pas qu'il craigne le poison, perso. Allez hop. C'est parti. Sinon, cheese plus nuage empoisonné. Ouais, non mais t'inquiète, dès que t'as dit le terme poison, j'y ai pensé aussi. Je me suis dit, putain, ça peut être marrant. À mon avis, ça lui fera rien. Putain. Peur lui. Et insensé, bah ça. Contraire m'aurait étonné, disons. What?
Ok, merci. Non. Don't do it, man. Non. Putain d'enculé, il me fait du 1 PV. Pas sur mon territoire. Taste the booyah. Putain, il a failli m'avoir avec son 1 PV, cet enfoiré. Oh l'enfoiré. Oceros niveau 54, ça va, c'est legit. Niveau 54, quoi, t'es pas censé te le faire à ce niveau-là, mais... Ah, grande classe. Alors... Ah, ça, ça fait plaisir. J'ai débloqué la voix du dragon. Est-ce qu'on peut se faire gundir? Ah, je sais pas, c'est chaud quand même, j'ai pas énormément de PV, je prends trop cher niveau dégâts. Ah, pour la run magie, Oceros, il est horrible. Il est horrible. Il y a pas d'autre mot, quoi. Sanctuaire de l'Ichefeu, du coup. Niveau 54, quoi. Tout va bien. Oh, complètement oublié. Merci, Darken Rally. Complètement zappé. Ah, j'ai complètement zappé le... Oui. Attends, on va y retourner tout de suite, sinon après, je vais jamais y retourner. J'ai oublié le fragment de fiole d'Estus, mais oui. Oh. Complètement zappé. Par contre, ce qui va être marrant, je viens de penser, c'est Aldrich. Alors, de mémoire, Aldrich craint le feu. Il est complètement bidon, puisque sa phase 2, il est en feu. Bah, c'est comme si un dragon de glace craignait la glace. Oh putain, rien que pour ça, faudrait que je re-upload la sorcellerie run uniquement, là, run à la sorcellerie uniquement sur Dark Souls 3 sur YouTube. Le problème, c'est que c'est en 480p, je sais pas si ça. Pas si ça va quand même bien vous plaire ou pas. Je sais pas, je trouve que Aldrich qui craint le feu, c'est complètement débile en fait. Pourquoi pas, mais alors pourquoi le faire. Je pense qu'ils avaient pas d'idée en fait pour la phase 2. Et ils se sont dit, eh les viens, on l'enflamme! Ouais, non, mais en fait, il craint le feu. Ouais, on s'en fout! Voilà. Attends. Lui, il va nous énerver. Oh. Ok. Ok. Ah, voilà les vrais dégâts. Parfait. Pas grave pour la 480p. Bon, j'espère juste qu'il y a toutes les parties de la run, que j'en ai pas zappé. Bonus, Yael 166. Merci d'être venu. Pas tard d'aller me coucher aussi, mais je vais juste faire encore 2-3 petites choses. La lame effilochée. Dit comme ça, ça me dit pas grand chose, c'est quoi déjà? Dit comme ça, ça me parle pas trop. Ah, avec la baxère de feu, ouais. Pas faux. Pas faux. Attends, non, la baxère de feu, c'est pas les dégâts... Si, c'est les dégâts de feu qu'on craint plus, ou c'est les dégâts physiques? Non, regarde, c'est tout, c'est physique. C'est pas les dégâts de feu, hein. C'est les dégâts physiques. Hein. Regarde, je suis à moins 2 d'absorption. Sanctuaire. Ah, le katana de Midir. Non, en fait, je l'ai jamais trop testé. Pourquoi? Parce que tout le monde l'utilise en ligne. Donc,
Enfin voilà quoi, rien que pour ça, tu vois, ça me donnait pas envie. Bah vous le savez, hein, moi tout ce qui fonctionne, tout ce que les gens font, comme tout le monde, Raven ne le fait pas quoi. Regarde, je joue encore aux jeux Souls en 2018. Pas grand monde qui fait ça. On va augmenter notre mémoire. C'est important une bonne mémoire, hein. Moi j'en ai pas donc. Croyez-moi que ça me fait chier. Ça devrait aller pour payer la facture. Putain, mais il faut monter de. Je réfléchis. Pas sûr que j'ai tout ce qu'il faut pour monter d'un dernier niveau, mais on va essayer. Cyrès, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Booyah. Ah, ça devrait être assez. Parfait. Impeccable. Un nouvel emplacement de sort. Bon, alors le serpent noir, c'est pas que j'aime pas, mais... Bon, faudra quand même le laisser, ça fait de la... Voilà, regarde, là j'ai tout. Voilà. Très bien comme ça. Okay. Renforcer la fiole. Pas d'autres fioles, très bien. Et on va utiliser ça. Y'a rien d'autre ? Ok. Voyons, on a fait Océros, j'ai un peu la flemme de faire Gundyr. Et en même temps, après, on a toute la zone d'Irithyll. Ouais, finalement, en fait, on est bien parti, donc on va aller aux sépultures oubliées, hein. Non, non, c'est une NG normale. Run NG classique. Tous mes runs à challenge, d'une manière générale, sont en NG. Sauf si je précise que c'est... voilà. En général, je le précise. Est-ce que Gundyr craint le poison ? Enfin, le toxique. J'imagine que non, hein, mais bon. Jamais. Claude, là, l'héritière de cristal de mai. Hein. On va la skipper. Aïe. Non, pas ce soir, la run fouet. Non, non, parce qu'après, je vais aller dodo. Hein. Bon, il fatigue. Hein. Il est vieux, Raven. Tiens, mange-toi ça dans la poire. Ok, d'accord. Monsieur Gundyr se prend du toxique dans la gueule. Oh oh, c'était pas le moment de lancer ce sort. What?
Il esquive la moitié de mes sorts. Taste de bouillac, dire. Ah, il faut acheter les DLC, ils sont très bien. Enfin, surtout le deuxième, le premier est nul à chier, mais ça on s'en fout. Ah, c'est classe. Je me demande si je peux porter l'armure des chevaliers noirs. Bah. Elle est vachement lourde en fait. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher, merci d'être venus. Dans la poire. Bah forcément s'ils lootent pas leur armure. Je risque pas d'avoir la réponse à ma question. Oh oh. Alors ça. Putain mais le... Oh alors là Léonard 3 Putain tu me déçois oh. Tes ancêtres ils lootaient trop facilement. Et toi, tu lootes que dalle dans cette run. Incroyable. Oh oh. Ah ouais, trois chevaliers noirs, pas un qui me loot un truc, quoi. Bon, bah, on va rester en toc. Tant pis. Fragment d'épée torsadée. Je crois qu'il n'y a rien d'autre d'intéressant à voir. Spencix, bien le bonsoir. God Vein, je vais me laisser tenter, oui, tout à fait. On verra ce que ça donne. Et j'attends le prochain projet de From Software avec une impatience non dissimulée. C'est parti pour encore monter en niveau. Bon bah la pyromancie, c'est pas trop... C'est pas mal, je... Oh, c'est pas si mal. Ah ouais. Prochain objectif, il faut libérer Carla pour avoir accès à d'autres sorts de pyromancie. Ça augmente bien encore. Ouais, 331. Farewell, fashion one. Vingt-3 000, ah, c'est pour 22 000. Voilà. Toujours plus de puissance. Et lui là-bas il m'échange rien encore ou... Il faudrait voir un peu s'il n'y a pas d'autres pyromanciers à me donner mais je crois pas. Non il a rien d'autre à me donner. Bien bien. Ok. Ça c'est bon. Mes fioles d'estus c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a fait tous les boss optionnels possibles là? Je crois que oui. Alors on pourrait se faire l'armure de tueur de dragon mais... J'ai pas beaucoup de points de vie, ouais j'augmente ça.
Sinon, il y a le DLC, hein. Il y a le DLC, ça peut être bien, ça aussi. On peut bien s'amuser. Dragpéon, bien le bonsoir à toi. Quel est le boss qui t'a le plus posé de problèmes, Bloodborne y compris? En fait, c'est compliqué puisque pas mal de boss, par exemple de DLC, pour moi sont les plus compliqués. Le problème, c'est que les boss de DLC, généralement, je les découvre en NG plus 2. Donc ça rend la run encore plus chiante. Bon, allez, tant pis, on fait Irritil, on se couchera un peu plus tard. Vous êtes tellement nombreux, j'ai même pas envie d'aller me coucher tout de suite. Allez, encore un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure encore. Allez. Mais le boss qui m'a posé le plus de problèmes, moi, le seul qui me revient, comme ça, là, tu sais, à dire « Oh, lequel est celui sur lequel j'ai vraiment galéré, galéré ?» Étonnamment, ce n'est même pas Midir. Ou le dragon ancien. De Dark Souls 2. Je dirais que ce serait Elana. En NG plus 2. Sous le serment des champions. Mon gars, j'ai passé au moins 6 heures dessus. 5 ou 6 heures dessus. Mais tu sais, j'arrivais vraiment pas à la battre. Autant il y a d'autres boss, j'ai passé plus de 7 heures dessus. Genre le roi sans nom en SL1. Et ça, c'est parce que c'était le challenge. C'était le SL1. Et Lana, non, j'arrivais vraiment pas à la tuer. C'était trop dur. Oh, il n'y a pas d'autre mot, c'était méga dur. Et nous nous faisons envahir. Attends, il faut que je trouve le mec qui doit y... Putain. Ah, il est là. Salut. Ok. R1. Génial. C'est du jeu. C'est du beau jeu. Laurence, ouais, pareil. Laurence, j'y ai passé un temps monstrueux, mais c'était un challenge. C'était à la griffe uniquement, en NG plus 3, sur Bloodborne. Faut pas trop confondre après les challenges que je m'autorise moi et les trucs. Et Lana, c'était juste un NG plus 2 quoi, finalement. Qu'est-ce que j'ai pleuré dessus? Fragment d'os. Ah, comme ça, lui, après, il pousse. Ah, bien. R1 sur 20. Ici, elle est toute fière de son Nightbot. C'est son outil de destruction. Ah, putain. Et attention, Miss Lune, après, il va devenir hors de contrôle, le bordel. N'oubliez pas, si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, point d'exclamation Discord sur le chat du live. Pareil pour YouTube, Facebook, Twitter.
Et merci à vous pour les donations effectuées. Vitaly, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Booyah. Un pyromancien, enfoiré. Je lis le chat une seconde et voilà. les yeux se tendent vers le chat une seconde et voilà. Et voilà, Raven roule vers la mort. Merde. Rock. Alors ça marche le lien Discord? Bah y a intérêt. Je sais pas, Missul m'a donné un lien, moi je l'ai mis. Allez. On n'est pas à 1000 âmes près. Au couteau no chatjutsu. Ou la technique qui est déjà arrivée, on me fait une donation en plein combat de boss. Mon dieu! Ok, faut que je corrige la fin de l'adresse, très bien. Ah, tu me donneras le bon lien alors, que je mettrai. Alors là, c'est la partie. Pas envie de mourir. Il y a ce machin aussi à crever. What the fuck? Très bien. Je l'ai pas vu venir celui-là, mais alors vraiment pas quoi. Bruce Lee sort de ce coffre. Bruce Lee, il avait la dalle, hein. Putain, il avait les dents qui en tombaient. Deux pour une boule. Ça sonnait mieux dans ma tête. Ok. Et tu crois que le toxique ça marche?
Ah, il n'y a qu'à le regarder crever comme une merde. Mais alors ? On sent mauvais de la bouche ? On est en train de mourir ? Hein, mimique de merde ? Ah, on fait moins le fier hein, quand on sort pas les dents. Hein. Tu vas crever, la mimique. Tu vas crever. Garde-le. Innocent, hein? Tu crois qu'il est innocent? Mais non. Exactement, c'est un cheese duplosion. C'est le prix de... Fragment d'estus. Continuons. Chut, il dort. Il veut du silence. Chut. Écho. Donc il faudra pas oublier d'aller chercher Carla ici. D'abord, il faut que j'arrive à survivre à tout ce bordel. Putain. Ah, non, 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 non. Chier, de merde. En plus, à chaque fois, tu peux être sûr. Soit je cours et il y en a un qui va me bloquer, et du coup, après, je me fais défoncer. Soit j'essaie de les tuer, je me fais quand même bloquer, et du coup, je me fais quand même défoncer. Putain, en plus, j'avais pas réveillé de géant. Je le réveille une fois sur deux. Allez, il faut qu'on arrive à passer ce putain de donjon. Oh mais on est mort 50 millions de fois. En plus je disais juste avant, ouais, j'aime pas mourir là. Donc là ça fait déjà deux fois qu'on meurt comme une crotte. Génial, j'adore. Pas réveillé. L'espoir est toujours là. Salut Mojim, tu n'es absolument pas en retard. ...1229 de dégâts. Ouais, ça se respecte. C'est pas un rat qui devrait me faire chier. Non. Arrêtez les rats. Arrêtez. Arrêtez tout de suite de me piquer ma caméra. Faut arrêter maintenant, allez, zou. Vite, 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 vite. C'est bon, c'est bon. Ah. En dame de soldat anonyme. C'est bon. C'est bon, j'ai la situation bien en main. Ah, t'inquiète, Mochi. Pas de soucis. Alors pour libérer Carla, je crois qu'il faut une clé, la clé...
Elle est par là-bas plus loin, la clé. Je crois que c'est ça, hein, si je dis pas de conneries. Hein. Faut une clé. La clé, elle doit être au fin fond de, du bordel, là-bas. Rendez-moi ma barre de vie, par contre, s'il vous plaît. Merci, très aimable. Elle est pas bien grosse, ma barre de vie, par contre. Mais c'est genre, rendez-moi ma barre de vie. Ouais, non, mais c'est bon, on l'a fait, hein. Ah, merde. Ouais, Yorm, il me faut impérativement la... la boule de feu noir, hein, sinon j'y arriverai pas. C'est pas avec le serpent noir que je vais arriver à lui faire quelque chose. Alors. La clé de geôlier, tout à fait. C'est pas par là. Hein. J'y vais jamais à cet endroit, mais bon Dieu, je n'y vais jamais. Non, il faut retourner dedans, il y a un autre truc. Okay. Patrick, tu l'as bien vu, Water Tiger. Maintenant, c'est une gif. Quelqu'un s'abonne, tout ça, et tu le vois tout le temps, ton Patrick. Bon, je commence vraiment à être épuisé, donc je vais vraiment pas tarder. On va juste essayer de libérer Carla. Il y en a pour, j'espère, pas longtemps. Et du geôlier. Je crois voir où est-ce qu'elle est. Elle est vers les mecs invisibles. Mec invisible qui sont plus loin. Les statues me feront toujours rire, putain. C'est genre le... mais putain! Oh, ces statues de fou. Alors attends, là il y a un trou. Ah. Là. Hop. J'ai failli tomber. Les lézards, on s'en occupe pas. On a tout ce qu'il nous faut. Là, là. Ah ! Monte, 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 monte ! Les créatures sont dégueulasses, j'adore. Oh, les mains, les créatures mains là. Bark. Donc, la clé de geôlier, elle est où? Elle est plus loin là-bas, je crois. Oh, cool, j'ai débloqué un pantalon! D'abord, j'ai la clé. Dernier feu. Ok. Bien, bien. On n'a plus qu'à aller libérer Carla. On lui donne les tomes qu'on a eus. Et je parle pas de fromage. Et ensuite, on pourra débloquer toute la pyromancie qu'on souhaite. De toute façon, il n'y a que les boules de feu noir, non? Il reste quoi en pyro... Non, il y a trois pyromancies noires, je crois. Serpent noir, boule de feu noir... Et ah, les flammes noires, là, la combustion, quoi. Le truc que tout le monde en abuse en PVP, tellement c'est puissant. Bon bah, parfait. Tu oses juger mes jeux de mots. J'ai pas fait gaffe. Je vois même pas quel jeu de mots j'ai fait. Allez.
C'est pas par là. Attends, elle est où Carla déjà? Ah, elle doit être par là-bas. Mais où est Carla? Elle est pas par là, elle est pas par là. Peut-être serait-elle par là? Non plus. Ça devient casse-bonbon cette histoire. Putain, elle est où cette conne? Octet, pupute! Ah, elle doit être dans cette cellule-là. Donc, il faut que je passe par là-bas. Fantastique. Ouais, ça doit être ça. Le grand seigneur, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Booyah. Ouh, c'était limite, hein. Ah, tome de livre et tome de fromage, d'accord. J'ai pas eu le temps de t'écouter, mais écoute. Tu vas apprendre. Alors, donner le tome de pyromancie de Qui'Lana. Oh. Qui'Lana. Oui. Very well. I listen. Et gardien. Oh. And one that resonates with the. I may be a heretical sorcerer. Fiendish. Et qui en vaut quelque chose de pervers. Si tu savais à qui tu parlais. Oh, elle t'apprend sympathie. Sympathie, ça peut être pas mal. Donc, flamme noire et orbe de feu noir. Il me faut 10 000, 17 000. Là, il me faut beaucoup. Hein. Donc, il va me falloir de la thune. Tout ce que j'ai, c'est des trucs de merde. Oh! Putain, il faut que je vende des trucs. Attends, j'ai bien une merdouille à vendre. Bien, donner cendre de Xanthome. Alors, vendre. J'ai bien une connerie à lui vendre, elle. Carte, une petite épée de chevalier noir. Bam, 500. Un bouclier qui me sert à rien. Bam! Ah, il me faut l'orbe de feu noir. Là. Oh. Oh, merde. Voilà. Merci. Bon bah, je crois que j'ai les deux meilleurs pyromancies du jeu. J'utilise pas les âmes de boss parce que... Je pourrais m'en servir, en fait, maintenant. J'ai eu à peu près tout ce que je voulais. Je pense qu'on est pas mal comme ça. Ah, j'ai un fragment de fiole d'estus et deux fragments d'os de mort-vivant à utiliser. Salut Frinx. Ouais, t'as que quelques minutes de retard. Voilà. Allez, on va terminer par un petit Yorm. Histoire de voir... il craint pas le poison, lui, de toute façon. Allez, on va se tester Yorm très rapidement. Et après, un dodo.
Oh oui, tu as vu, enfin tu as raté quelques-unes de mes morts, mais bon, c'est pas très grave. Donc Yorm ne craint pas le feu. Donc ce sera full orbe de feu noir. Aïe. Est-ce que ça change quelque chose à... Ah ouais, ça change. Je sais pas si ça... Vu que ça c'était flamme noire, je sais pas si c'est affecté par la baxère de feu. Faut que je trouve en fait la bonne attaque après laquelle je pourrais attaquer juste derrière. Waouh! D'accord. Cousin Yorm. Hey, cousin Yorm! J'avoue, par contre, il me faudra pas mal de magie, en fait. Bref. On verra bien. Pour l'instant, on le teste. Alors, ce que ça donne comme ça. Ah, Yorm, c'est clairement pas mon boss préféré. Allez, on va tester. J'ai hâte de voir, en fait, c'est la consommation de l'orbe de feu noir sur, sur ma barre. Allez, c'est parti. Go, go, go. Voilà. Ça, c'est cool. Ah, c'est donc ça, se sentir comme Yamcha. Ah ouais, ah c'est pas mal. N'essayez même pas de faire un clip avec ça. Oh putain, ça y est, tout le monde qui va faire un clip. Allez, mon dieu. Eh oui, Archéon, salut. Ah ouais, non mais alors là, c'est beau quoi. Y'a rien à dire, c'était magnifique. Tout était là, la technique, la patience, la... Oh mon dieu. Ok, cette fois-ci, je suis prêt. Espèce de sale enfoiré! Ok, génial. Est-ce que tu peux lancer un peu plus haut? Voilà, merci. Waouh! Ouais! Probablement pas une bonne idée de le faire avant d'aller me coucher, hein, mais c'est pas grave. Ok, alors attends. Changement de tactique. Pas.
Non, il est insensible au poison, hein, je sais, mais bon. Ah, les DLC, on va se marrer. Hein. Non, mais sérieusement, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Je vois rien, merci. Et ça, c'est parfait. Depuis quand il te fonce dessus? Ok, pour un live demain matin, c'est hautement improbable vu qu'il est déjà très tard. A mon avis, demain matin, je vais dormir. Donc, prochain live mercredi soir, normalement. Et après, ce sera live, donc du coup, samedi soir pour la suite de cette run. C'est quoi? J'ai envie d'essayer. Let's go, on est fou, on est dingue. Poison. Aïe. Poison ne te fait pas d'effet. Tiens. Merde, il est déstabilisé, il ne sait plus quoi faire. Il est effectivement insensible. Génial. Oh shit. Ses pieds vont vachement respirer le poison. Oh putain. Oh là là. Allez. On va se le faire plus sérieusement cette fois-ci. Orbe de feu noir. Fjorm 3, Raven 0. Ouais, non, mais je lui laisse une petite avance, tu vois. C'est comme ça que ça se passe. De toute façon, après le Kirk Challenge où je l'ai fait à l'armure d'épine, de toute façon, ce boss, je l'ai dompté, quelle que soit la run. Putain. Wow. Le problème, c'est qu'il faudra bien que je me le fasse, un de ces quatre, ce boss de merde. Mais le one shot, damn. Ok, let's go. Cette fois-ci, je suis prêt, espèce d'enfoiré de merde qui reste assis le cul sur son trône. Tu te crois malin, tu te crois fort, tu te crois bon, tu te crois le meilleur. Mais Raven est là, Raven va t'apprendre la politesse. Descends de ton piédestal et viens te battre, enfoiré. Encore.
Merde, j'ai pas vu la bonne potion. Shit. Boule de feu qui part tout à côté. Shit. C'est trop ça quoi. Il le regarde et Raven lui envoie un rocher dans la gueule. Putain. Je pense que ouais, je vais manquer de fiole. Je vais essayer une dernière fois, mais après je vais aller me coucher, là je suis vraiment crevé. Mais en tout cas je suis vraiment content, vous êtes 56 encore sur live, il est 2h30 du mat. Vous êtes des fous, vous êtes des malades. D'habitude j'arrête, avant j'arrêtais le stream à minuit, minuit et quart. Puis là, depuis que je suis à l'appart, j'arrête vers une heure et demie. Et là, vous étiez tellement nombreux, j'avais trop envie de rester encore et encore, quoi. Allez, dernière tentative après dodo, quoi qu'il arrive, là, je suis vraiment mort. Donc demain matin, pas sûr qu'il y ait un live, hein. Je voudrais bien dormir.
putain, il me reste rien. Non, on avait dit que les points ça comptait. Ça lui fait pas de dégâts. Non. Ah, la rage. Putain, les points ça lui fait pas un dégât quoi. Allez. Putain, non. Ben, j'ai rien pour recharger les PC quoi. Pas un truc là. Putain, ça améliore que la vie. Non. Je peux pas le fister. Marche pas. Ça lui fait zéro dégâts. Même pas un dégât. Putain. Ouais, mais je peux rien lui faire. Non. Pas un truc là qui peut... Y'a même pas un anneau qui pourrait... Ah non. Que dalle. Même pas utiliser le weapon art, bah d'accord. Merci, enfoiré de merde. Bombe égale pyro. Ouais. Éventuellement. Alors attends, faut le temps que je m'en équipe. Ah! Putain de merde! Je pensais que ça allait le tuer, regarde les points de vie quoi. Raven de la chance. T'as de mortel de merde! Hein? Ah. Au! Enculé! D'accord. Ça, c'était du lancer. Zéro dégâts. Forcément, faut que ça fasse zéro dégâts. Putain! Ok, 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 ok. Attends. Ah! Crever, hein. Tiens. Je peux te la prendre, ma bombe. Zéro dégâts. Je peux pas le tuer, il est incroyable. Et si tu désactivais le mode cheat, enfoiré de mes deux. Yeah.
bien. Oh. Rien du tout. Y'a rien qui pourrait me rendre DFP en fait. Y'a rien, y'a pas d'anneau, y'a rien. Bombe électro. Booyah! Bon voilà. Pyro uniquement, mais bon. Moyen quoi. En fait, il est insensible au feu, du coup, fuck it quoi. C'est même pas passé loin. Non mais franchement, mais voilà, Raven de la chance quoi. Oh mais rien pour recharger les FP, mais c'est un truc de fou quoi. Oh là. Rien pour recharger les FP, ce jeu me trollera jusqu'au bout. Allez, on va s'arrêter là. Ah mais là j'avais rien d'autre quoi. Oh. Le jour où le 1 PV se retourne contre Raven. C'est tellement ça. Aïe aïe. Alors je rappelle que dans les run à challenge, les gens utilisent d'habitude les épées contre Yorm. L'épée contre Yorm. Moi je l'ai pas fait. J'ai fini avec la vieille bombe de merde. Mais en fait j'aurais aimé le taper. Tu vois, j'aurais aimé le frapper comme ça. Mais zéro dégâts. Tu lui fais zéro dégâts. Alors, triche ou pas triche, chacun juge, mais bon. Tu restais 1 PV, tu parles d'une probabilité de merde. Tu peux monter que de 1 niveau. Ouais. Run pas valide, arrêtez! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse. Ah putain. Il faut recommencer la run et la faire legit. Seulement après tu iras au lit. Ah putain. Ah merci Frinks. Plus sérieusement. Pas de triche, tu le mérites. Merci. Mais sans déconner, moi je l'aurais fait au point, hein, mais... Pas de dégâts. Zéro damage, il prend zéro damage. Encore une fois, un boss de merde, hein, parce que... Que tu le fasses avec 1 milliard de PV, on s'en fout. Mais au moins que il... Enfin, il soit... Enfin, que t'arrives à lui faire des dégâts, quoi. Oh, c'est dégueulasse. L'électricité crée du feu, donc pas triche. Oh, Titania, bien joué. J'ai pas vu de triche. Ah oh, putain. Non mais là, honnêtement, merci en tout cas à vous. Mais c'est valide. Moi je valide, merci Dakenrun. Non mais c'est ça, en fait c'est parce qu'il est insensible au feu. Le fait qu'il soit insensible fait que tu... Quelles que soient les attaques de feu que tu lui fasses, c'est zéro. C'est ça qui est idiot. Donc du coup, toi t'es là à frapper comme un abruti, il prend zéro dégâts. Sinon, moi je m'en serais foutu, j'étais là, oh bah, je vais le frapper au point, tu sais. Ah bah non, marche pas. Putain. J'ai failli à un moment, je me suis dit, bon, est-ce que j'abandonne exprès et on recommence? Fait chier. Chier.
On l'aurait tué, peut-être, sûrement, oui. Enfin. Allez, circule. Allez, donc, eh ben écoutez, merci à vous d'avoir suivi ce petit live tranquillou. Je vous dis à la semaine prochaine, du coup, parce que demain je vais dormir, je pense, hein, 2h40, voilà. À la semaine prochaine, mercredi soir, pour un autre live sur, je pense, Bloodborne. Et la suite de ce run sera donc samedi prochain. Voilà, voilà. Allez, on aura fini sur Yorms, quand même sympa. Allez, bonne nuit tout le monde, merci à vous d'être resté jusqu'au bout, putain, vous êtes hyper nombreux. Allez, bonne nuit tout le monde, merci. And don't forget to taste the booyah! Je suis explosé. Ça va être dodo direct.